Madame le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'entrée saluer vos présences à tous à ce point presse relatif à la proclamation officielle des résultats du baccalauréat session 2024. Et dans le même élan, exprimer ma profonde gratitude à vous, femmes et hommes des médias, qui couvrez régulièrement les activités de la DECO. Votre professionnalisme et votre collaboration constructive ont permis à l'ensemble de nos concitoyens de recevoir l'information vraie et de sources officielles sur les examens et concours. En effet, lancé officiellement le mardi 18 juin dernier au lycée technique de Cocody par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, accompagné des trois autres ministres partenaires à l'organisation de l'examen du baccalauréat, les épreuves écrites de la session 2024 se sont déroulées sans incident dans les 559 centres et elles ont pris fin le samedi 22 juin. Les corrections et les délibérations qui ont suivi viennent à leur tour de s'achever dans les délais définis par le calendrier grâce à l'abnégation et au travail assidu de tous les acteurs impliqués. Dans l'organisation, ce sont les directeurs régionaux, leurs collaborateurs, les présidents de jury, les membres de secrétariat, les jurys, ainsi que les forces de l'ordre. La direction des examens et concours leur exprime ses sincères remerciements pour leur engagement continu à ses côtés afin d'améliorer le processus d'évaluation et de garantir les examens équitables et de qualité. Aujourd'hui, lundi 8 juillet, avec l'autorisation de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les résultats seront publiés à partir de 14 heures dans tous les centres de composition. Ils seront simultanément mis en ligne sur le site internet du ministère et celui de la DECO. 3xw.education.gouv.ci. www.men-deco.org. Les éventuelles réclamations doivent être introduites auprès des secrétariats des centres de composition du mardi 9 au jeudi 11 juillet 2024. Cette démarche est gratuite. Les résultats du jury spécial de réclamation seront publiés le vendredi 12 juillet à partir de 14 heures dans les mêmes centres. Les résultats obtenus au plan national à l'examen du baccalauréat session 2024 sont les suivants. Sur 343 162 candidats présents, 117 266 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 34,17 %, contre 32,09 % en 2023, 30,78 % en 2022, 29,24 % en 2021. Le pourcentage de 2024 enregistre donc une hausse de 2,08 %. L'analyse détaillée de ces résultats fait apparaître les constats suivants.
au niveau du genre, 58 980 filles sont admises sur 169 920 candidates présentes, soit 34,71%. 58 286 garçons sont admis sur 173 242 présents, soit 33,64%. Les filles ont mieux réussi cette session. Par type de baccalauréat. Au baccalauréat général, 96 807 candidats sont déclarés admis sur 312 107 candidats présents, soit un taux de réussite de 31,02%. Au baccalauréat technique, on note 20 090 candidats admis sur 30 668 candidats présents pour un taux de réussite de 65,51%. Au baccalauréat artistique, 369 sont admis sur 387 candidats présents, soit un taux de 95,35% de réussite. Enfin, d'un point de vue global, on note pour l'ensemble des examens scolaires de la session 2024 en Côte d'Ivoire que 1 568 239 candidats se sont effectivement présentés. 875 288 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite cumulé de 55,81%. Les progrès observés cette année dans les différents cycles d'enseignement pendant les examens traduisent au plan pédagogique une amélioration en cours dans les enseignements et apprentissages, puis dans la maîtrise des nouveaux outils d'évaluation. Cette avancée est aussi le fruit de l'action déterminée du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, pour consolider et crédibiliser davantage les résultats, ce qui a conduit à l'engagement de tous les acteurs du système éducatif. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation adresse ses félicitations aux administrateurs, aux enseignants, personnel d'encadrement et pour leur dévouement et leur professionnalisme tout au long de l'année scolaire. Félicitations aux candidats qui ont réussi cette épreuve déterminante de leur parcours scolaire. Quant aux refusés, il leur reste à redoubler d'efforts pour réussir la session à venir. Je vous remercie.